L'injustice et l'oppression aux États-Unis, avant que les États-Unis ne soient la première puissance du monde. C'est pour dire que notre combat, tôt ou tard, va aboutir. Je rappelle que nous avons deux corps. Monsieur Ibrahim Aba, quant à lui, d'après les propositions de la famille, les souhaits de la famille, sera prié à la mosquée de Nongo. Comme si photo ko en beydu nundugol ko en accu tognirgol ndaren no leydi men di yara yeso en fomo kala je tirano ko surtout wonbe hore men yarlike so ko en yarlani ke Allah kono en wawata wiide en yarlike si en wi en yarlike haraybe kontinay wadde en yarlanaki be wadde ben kambe en yarlani ke non Allah nyaawore Allah den ko o nyaawi ko ari fejjata hecciyanki e mardi o kono wonbe wadude ben yo ete be accia yo jokke ha be accia dum on tuma ray no wawa yarlede kono si wona dum si be accia li yarnataki d'indignés, mais nous disons que les 96 morts nous donnent du courage parce que nous ne devons pas baisser les bras. Nous disons à M. Alpha Condé et sa bande de criminels que nous sommes déterminés aujourd'hui plus qu'hier à continuer le combat pour instaurer la démocratie dans le pays. Parce qu'il faut rappeler, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui ont connu un président noir, ceux parce qu'ils sont déterminés. Et que si Nelson Mandela a été président et il a stoppé l'apartheid parce qu'ils sont déterminés et que le peuple de Guinée doit être déterminé et courageux et rester plus soudés. Il n'y a pas d'école ni rien. On tue notre enfants aussi sur ça. Il n'y a pas là où tu vas aller dire que la personne, je vais porter plainte contre la personne, celui qui l'a tué. Tu ne vois pas la personne qui a tué. Alors que comme c'est un rebelle qui est sur nous comme ça, en tout cas, nous, on n'est pas content. On n'est pas content sur ça. On est trop fâché. Ce qu'on va dire, là où on est là, le violation qu'ils sont en train de faire, on est prêt encore. Ils n'ont qu'à continuer le programme de manifestation. On va sortir. Même s'il a tué tout le monde, si ça restait une seule personne, la personne il n'a qu'à continuer. Parce que nous sommes dans le pays de développement. On est démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas ça qu'on nous suit à l'heure. Je crois que Ibrahim Baldé doit être
96e victime de nos forces de l'ordre lors des manifestations politiques ou syndicales. Je crois que le 95e était le jeune qui a été abattu à Mandiana lors de la révolte des jeunes pour exiger le respect des engagements pris. C'est triste pour notre pays d'être témoin oculaire de cette violence. Quand des citoyens, par ceux-là qui sont recrutés, formés, payés, équipés pour assurer la sécurité des citoyens. On assiste à des bavures policières de temps en temps dans certains pays, mais qu'il n'y ait jamais aucune enquête pour savoir qui a tué. C'est ça le drame de la Guinée. Parce que, comme vous le savez, l'impunité encourage la récidive. La première victime du régime d'Alpha Condé était Zakariaou, ici même à Bandeto. T'es pas loin de ma voiture lorsqu'un policier a tiré sur lui. Aucune enquête. Les parents ont déposé des plaintes qui n'ont jamais eu de suite. Et maintenant on est à 96. Les Guinéens doivent s'interroger. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette violence contre des gens qui exercent un droit constitutionnel?